reflecting off the spinning crystal ball. In a dance hall down in Texas, where time slowed to a crawl. Maybe it's just you holding on to me in the middle of it all. Oh, girl, you're the center of my world, that place in my universe. To me, you're every dream I dream, the air I breathe, my everything. The rays of sunlight shining down, the point my life revolves around. It's like I live and love you, girl. You're the center of my world. My whole life changed the moment I met you. Like heaven on the new. There could be 10,000 people filling up this room, but in my mind, far as I'm concerned, it's just me and you. Oh girl, you're the center of my world, place in my universe. To me, you're every dream I dream, the air I breathe, my everything. The ray of sunlight shining down, the point my life revolves around. It's like I live to love you, girl. You're the center. Bonjour tout le monde. Bien, nous voilà pour notre rendez-vous quotidien, donc mardi. Donc on est mardi aujourd'hui. Hein, le live numéro 19. Hein, ça nous fait quand même déjà pas mal de danses révisées. L'air de rien, 5, 6, 7 danses par jour et le mini-bal. Ça fait pas mal de bonnes répétitions. Enfin, pour vous, mais pour moi aussi. Hein, quand je parle, c'est toujours pour moi aussi. Hein. Donc voilà, je vous dis bonjour à tout le monde. Je merci pour vos mots encourageants, parce que c'est vrai que le matin quand on se lève, c'est tous les jours exactement la même chose. On n'a pas de projet de sortir dans la journée. Enfin, disons qu'on évite quand même si on n'a pas besoin. On va pas. Et donc c'est vrai que ce but là, 15h, pour moi c'est ça me fait sortir du canapé, de la télé, et puis des pensées tristes. Hein. Vous avez vu, j'ai mis du jaune, parce que j'ai mis du jaune à l'extérieur, parce que j'ai pas le soleil à l'intérieur. Alors bon, pourtant je suis pas de Calais, hein. Mais bon, il fait du soleil dehors hein, quand même. Il fait beau dehors. Donc je fais un gros bisou à ma petite maman, en Savoie, mon frère. Hein, on s'encourage, on tient bon. Bon, maman, elle est bien soignée, elle est bien entourée. Et puis, donc, c'est vrai qu'en étant, elle n'est pas en EHPAD, donc, disons que ça fait un petit souci, enfin, un petit peu en moins, quoi. On sait qu'elle risque un petit peu moins quand même. Voilà, je fais un gros bisou aussi à toute ma famille, mes enfants, mes belles-filles, tous mes bébinous, hein, j'en ai 7.
donc qui me manque. En fait, c'est ça qui manque maintenant, c'est le vide là, qui est là constamment, jour après jour. Donc, c'est vrai que ce rendez-vous, sinon, ben, quand là, je vous dis, je serais rétalée et télée, et puis voilà, non. Et les journées passeraient complètement déconnectées de la réalité. Donc, ben, je vous remercie. Donc, tous les jours, on se tient l'un à l'autre, on s'accroche l'un à l'autre pour ce petit rendez-vous. Alors, j'ai pas, vous avez vu, j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai encore fait débutant. C'est parce qu'en fait, je vous prépare pour la semaine prochaine, donc de la décompo et révision de plus de danse intermédiaire. Donc, enfin, moi, j'arrive, je fais pas les choses, je fais les choses à ma façon. C'est-à-dire que les danses débutantes qu'on avait vues déjà depuis à peu près, donc mes débutants les maîtrisent maintenant. Donc, il fallait que j'amène d'autres danses débutantes nouvelles qui n'ont pas encore appris. Hein, quand je parle, après, peut-être vous les avez appris aussi. Voilà, tant mieux. Hein, moi, je fais ça en vision pour mes adhérents. Donc, il fallait que je leur donne des nouvelles, des nouveautés. Donc, aussi à mettre entre deux les danses intermédiaires qu'on fera la semaine prochaine. Semaine prochaine, les semaines d'après. Donc là, j'ai fait toute une salve de danses débutantes et novices, on va dire. Mais c'est par aussi pour, voilà, pour eux. La semaine, je peux pas faire que intermédiaire, je peux pas faire que débutant novice. Mais comme je passe plus de temps avec les danses intermédiaires, je suis obligée de compenser en mettant des nouveautés aussi en débutant. Voilà. C'est une façon de faire, hein, c'est la mienne, voilà. Bon, ça fait 12 ans maintenant, bientôt 13, donc ça marche comme ça. Alors, donc encore une fois, merci pour d'être là, et puis on va faire une bonne petite session, hein, tranquille. Il y a pas de voilà, on se prend pas la tête, il y a pas de compétition, c'est juste pour se mettre dans notre bulle, évacuer un petit peu toute la tension. Alors, je passe une petite parenthèse à mes adhérents. Donc ils sont là, on va dire en grande partie quasiment tous les jours. Après, je sais qu'il y en a qui travaillent, qui sont en télétravail, il y en a qui ont des enfants, ils voient plus tard ou bien le week-end, voilà. Mais franchement, ça me tient à cœur et ça m'encourage aussi à continuer, hein, parce que sinon là, si je m'écroule, je sais pas. On va essayer de tenir déjà jusqu'au 11 mai, hein. Et puis voilà, hein. Donc on va démarrer donc avec Sunday Driver, c'est une nouveauté que j'ai fait hier, donc toute calme, toute gentille, débutante, qui sera faite de toute façon à la rentrée pour moi avec mes nouveaux, et puis en révision de toute façon et dans les prochains bals. Après donc aujourd'hui j'ai apporté On The Wave, je pense qu'il y a beaucoup qui la connaissent, mais moi je ne la connaissais pas. Donc comme j'avais sorti l'affiche déjà, c'est pareil, encore il y a quelques semaines en arrière, en pensant à la mettre dans mon programme. Bon, j'ai dit là, le fait que je vais faire quand même, j'ai fait quelques nouveautés, comme il y a 1159 et Babybel. Bon, moi, mes nouveaux l'ont pas encore vu, ils les ont pas encore vus. Voilà, c'est des danses qui vont travailler dans les semaines qui arrivent. Et On The Wave, en fait, c'est aussi pour les mes intermédiaires et tous mes débutants novices, quoi, aussi, parce qu'on l'a pas fait du tout, hein. Et puis j'aime bien un petit peu Irish, celtique, comme ça, ça fait aussi autre chose, connaître autre chose, en restant, voilà. Bon, et puis donc j'ai mis Guest Ranch en deuxième danse pour, je sais qu'il y a des mamans qui ont des bébés, tout ça, donc c'est l'heure de la sieste, je sais, j'en ai eu 5, hein. Donc je sais à peu près les horaires, et donc comme ça, elles pourront travailler cette danse avec nous, hein. Allez, on y va. Alors, donc en tout cas c'est super que vous marquiez vos départements. Je vois 31, je vois le. Enfin, j'ai plus les numéros, j'ai vu 44, j'ai vu la Savoie, 73. C'est mon frère, c'est normal. Et puis voilà, c'est intéressant de. On s'imagine pas, hein, que. En fait, moi au départ, je l'ai fait pour. Pour comme ça, pour ici, quoi, enfin, mais visuellement pour mes adhérents, et on s'imagine pas quand. Bon, faut pas que j'y pense trop aussi, hein, parce que sinon je vais. Allez, on y va, en route. Alors, Sunday Driver, step, lock, step, avant,
droit, brush gauche, step, lock, step, avant gauche, brush droit. Donc step, lock, step, brush, step, lock, step, brush. Et de là, on va faire un jazz box, tout en toe strut. Alors toe, strut, toe, strut, toe, strut et toe, strut. Pas de difficulté, hein. Et on va faire un rocking chair du côté droit. Pied droit devant, demi-tour, on va faire un stomp droit et un stomp gauche. Après, ce sont les pas classiques et courants de la hand country. Vine à droite, touch, et vine à gauche, touch. Vine à droite, touch, vine à gauche, touch. On refait le mur de 6 heures. 7, 8. Step, lock, step, brush, step, lock, step, brush. Le jazz box sur 8 comptes. Le rocking chair du côté droit, demi-tour et stomp, stomp. Et le vine à droite, touch. Et le vine à gauche, touch. Alors, à un moment donné, on aura un tag. On le fait qu'une fois. Donc, on sera revenu du troisième mur de 6 heures, comme maintenant. Donc, on sera là. Alors, le tag, c'est pied droit devant, demi-tour, pied droit devant, pause. Pied gauche devant, demi-tour, pied gauche devant, pause. Hein, c'est un tag qu'on fait de temps en temps quand même. Hein. Alors, on va refaire le tag. Donc, on revient du troisième mur de 6 heures. Donc, on est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et on démarre tranquillement la danse. Ça, c'est une bonne petite mise en route. Allez, Sunday Driver. Allez, 1, 2, 3, 4. Le jazz box, le rocking chair. Vine à droite, touch, vine à gauche. Step, lock, step. Le jazz box, rocking chair, demi-tour. Vine à droite, vine à gauche, et step, lock, step. Le jazz box, rocking chair, le vine, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Le jazz box, rocking chair, vine à droite, touch, vine à gauche. Le jazz box, vine à droite, vine à gauche. Step, lock, step, brush, step, lock, step. Et jazz box, puis compte. Rocking chair, vine à droite. On fait le tag. On l'entend bien. Vine à droite. Vine à droite. Vine à gauche. Step, lock, step, brush, step, lock, step. Rocking chair. Vine à droite, vine à gauche. Vine à droite, vine à gauche. Step, lock, step. Vine à droite, touch, vine à gauche. I will not interrupt
Step, lock, step, rush. A Sunday driver. He don't want to get his baby home. Right now, watch that driver. Step, lock, step. Step, lock, step. A Sunday driver. In the middle of my Thursday afternoon. Right now, watch that driver. Alors, hein, c'est une bonne mise en route, hein. Ça nous met déjà d'un petit peu plus dans notre univers, ça nous aide à faire la coupure avec notre journée, notre soirée, notre journée qui est pareille tous les jours depuis un mois et demi. Donc voilà. Allez. Donc celle-là, je pense qu'elle pose pas de problème, elle est sympa. Voilà, c'est OK. Alors, on va revoir, donc on va refaire The Guest Ranch tout de suite. Donc, je suis tenace, hein. De toute façon, on y est crainte. S'il faut la faire 10 fois, je la ferai 10 fois, il n'y a pas de souci. J'ai de la patience à revendre. Avec, on a été maman de 5 garçons, de la patience, il en a fallu, hein. Allez. Donc, Guest Ranch. Bon, ça, j'en ai pas besoin, je la connais bien. Alors, je vais tout doucement pour la première fois d'explication des comptes, comme ça chaque fois, ça vous... Alors, on va faire stomp droit, stomp, stomp, pause. On va faire donc le pivot du talon, on revient. Et quand on revient, on va faire un kick et un hook. On va faire un vine à droite avec un quart de tour pause. Les deux seules pauses de la danse. Pied gauche devant, un demi plus un quart. Et on va faire un toe strut du côté gauche. Toe strut. On recommence. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock step arrière droit. Donc, rock step, on revient face à 12 heures en toe strut. Toe strut. Rock step arrière gauche. On va faire un toe strut, on va faire un quart de tour en plus. Donc, toe strut avec un quart de tour en plus. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous ne faites pas, vous le faites là, il va vous falloir aller faire un sailor step demi-tour. Alors là, il y aura du temps perdu pour la suite de la danse. Donc, on fait toe strut avec un quart de tour. Alors là, on a déjà accentué. Et on va finir le demi-tour, vu que c'est un demi-tour à droite, avec un sailor step, quart de tour à droite. Sailor step, et tout de suite on brush, hein. Tout de suite. On ne repose pas le pied, c'est brush avant gauche. On va déjà refaire jusque-là. 7, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et step, lock, step tout de suite. Avant gauche. Et brush tout de suite. Donc, ici, c'est la section. C'est le petit morceau avec scoot hitch. Alors, scoot, c'est les petits sauts. Scoot hitch. Donc, on fait scoot sur le pied gauche. Donc, scoot, scoot. Donc, avec hitch. Hein. Donc, ça fait ça. Scoot, scoot. Bon. Moi, je fais pas le petit saut sur la... Donc, je fais des heel bounce, entre guillemets. Mais faut le dire à personne. Avec, et mon pied droit, ma jambe droite, en fait, c'est un peu le... Donc, je fais... Voilà. Hein. Donc ça, je ne fais pas le petit saut. Après, vous avez vu David Villelas, tout ça, les danseurs, ils font, mais bon. J'aurais 20 ans de moins, je dis pas. Hein. Alors, donc, nous sommes arrivés. Donc, on a fait step, lock, step, avant gauche, brush. Et ici, on va faire le... Bon, pour la danse, je dis quand même scoot, hitch. Mais vous faites hein, des heel bounce ou voilà. Donc, scoot, hitch. Donc, et
Alors, rock, step et step, lock, step, step, lock, step. Alors, beaucoup, il y en a qui m'ont dit, perte du temps, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours, il y a une petite perte de temps au début quand on apprend. Enfin, perte de temps, nous, ça va déjà vite, mais je veux dire, par rapport à la danse. Donc, quand on arrive ici, donc on l'a fait là, on est là. Donc, rock, step, et tout de suite, enfin, il faut quasiment, il faut vraiment, donc, faut jeter en avant pour faire le step, lock, step. Ouais, c'est un coup que vous allez prendre à force de visionner la vidéo puis de vous exercer. Alors, on va refaire depuis le début. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est leur step brush, step, lock, step, scoot, itch, rock, step, rock, step, rock, step et step, lock, step, step, lock, step, hook. Le premier est arrière. On pose hook avant, on pose hook avant, on pose hook avant, on pose hook arrière. Alors, dernier pas, la dernière section. Alors, la dernière section, c'est une weave, elle est rapide. Hein. Alors, la vitesse, je vais, bougez pas, je vous montre. Donc, ça fait... Donc, poids du corps, il faut bien remettre gauche après le demi-tour, parce que vu que la danse est finie là, donc... Alors on était ici. Donc, on va faire la weave à droite. Donc, là, on n'a pas bougé, on n'a pas fait de quart de tour, ni rien. Hein. Maintenant, on va faire un quart de tour à droite avec un rock step avant droit. Demi-tour, on va poser le pied droit à droite et stomp. Stomp gauche avec poids du corps gauche pour redémarrer 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pause, hook, pause, hook, pause, hook, pause, hook. La weave, quart de tour. Alors, on va refaire la dernière section. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça a posé un petit souci. Donc, on est là. Donc, encore une fois, il faut vraiment, c'est vraiment sans réfléchir. Hein. Donc, alors, mieux de 6 heures. Je vais dire les pas. 7, 8, stomp, 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 pose le pivot du talon, kick, hook, vaine à droite, car, pose le 3 quarts, toe strut, rock step, toe strut, rock step, plus à quart, toe strut, et c'est lock, car, brush step, lock step, scoot, scoot, et rock step, rock step, rock step, et step, lock step, step, lock step, hook, on pose, hook, on pose, hook, on pose, hook, on pose, hook arrière. La weave, on tricote vraiment vite. La weave, il faut vraiment... Donc, on est là. Ça fait à peu près la vitesse là. On refait une fois le mur de 12 heures. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toe strut, rock step, toe strut, rock step, plus un quart, toe strut, c'est leur quart, brush, step, lock, step, rock step, rock step, rock step, et step, lock, step, step, lock, step, hook, on pose, hook, on pose, hook, on pose, hook, on pose, hook, la weave. Alors, comme ça, vous avez la décompo pour revisionner demain ou ce week-end. Parce que ce week-end, je ne fais pas de live. Hein. Donc, on va essayer. Alors, je vais vous expliquer encore une fois l'endroit. Alors, il y a trois restarts au même endroit, après les mêmes pas. On va faire ensemble.
Alors, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Donc, 3 fois. Alors, je ne sais plus, y a, c'est pas toujours là. Il y a là. Je crois que c'est 2 fois là ou 1 fois, je ne sais plus. Donc, c'est tous les deux murs. Donc, au mur 2, 4, 6, il y a ce tag-là pour ce restart. Donc, c'est un tag, en fait, parce qu'on remplace le toe-strut. On ne fait pas le toe-strut, on fait stomp-pause. Comme ça, on reste au poids du corps gauche parce que on va refaire ensemble. 7, on va refaire ensemble jusqu'au, avec les bons pas du tag. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, etc. Bon, ça va, si à chaque fois qu'il y a un petit morceau, vous me mettez un petit mot, hein, si vous me mettez en privé, si vous voulez, vous me dites, là, j'ai encore une petite difficulté, comme ça, moi, j'accentue un petit peu, là, j'ai accentué un petit peu la dernière section avec la weave, c'est vrai qu'il faut vraiment tricoter, quoi, hein. Je remonte encore une fois, donc, c'est pareil, hein, donc, la weave, on la fait bien, donc, c'est maintenant, rock, step, car, et, voilà. Allez, on essaie avec la musique, hein. Donc j'essaie de vous crier les tags, les restarts. Autant que vous n'aurez pas la maîtrise totale de, on va dire, 98% de la danse. Bon, mais ça va, je vois, j'ai quand même des petits encouragements. Je vois quand même qu'il y en a qui l'ont presque, donc c'est encourageant quand même. Ça me fait plaisir. Alors, guest ranch, où est-ce qu'elle est? Daughter.
c'est du sport celle-là. Hein. On n'a pas besoin d'aller courir, d'aller faire un footing. Hein. Voilà, j'espère que ça a rajouté un petit peu à votre déjà à ce que vous aviez. Hein. De toute façon, à chaque fois, il y a une progression, un petit peu de travail à la maison. Même faire les pas sur la musique chez vous, hein. Comme des gammes, en fait, comme un pianiste, voilà, fait ses gammes. Et nous, voilà, on fait les gammes avec les pas, sans, même sans la musique. Voilà, donc, j'ai même pas changé la... On m'a même pas... Bon, j'ai même pas changé, donc c'était pas Guest Ranch. C'était pas Sunday, j'ai même pas changé. Donc c'était Guest Ranch, elle est en numéro 2. Hein. De toute façon, vous savez, je vais le marquer au-dessus du live. Hein. Je vais même pas changer l'étiquette. Alors, yes, ah oh, bah je suis contente. Bon, voilà, vous me le dites, hein, que même si vous voulez pas le dire sur le live, vous mettez un mot, oh, ça coince encore là et tout, et je prends un petit peu de temps. Hein. De toute façon, c'est comme un cours. Au cours, ben, il y en a, là, ça va être les hooks, là, ça va être le quart de tour avec le sailor, voilà. Bon, donc, Guest Ranch. Alors, là, on est arrivé à Buy and Buy. Ouais, je l'ai mis. Alors, Buy and Buy. Alors, c'est la chorégraphie de Christelle Durand d'hier. 32 comptes, 4 murs, un break. C'est vrai que hier c'était. Elle est pas. Vous avez vu? Il faut aussi un petit temps d'adaptation. Les automatismes qu'on a des autres danses qui reviennent, surtout quand on a fait ça. Là. Souvent on repart pas en... avant. Souvent après qu'on a fait à droite touch, à gauche touch, on part en vine. Mais là non. Il faut recaser un talon. Et c'est celui-là, moi je l'ai zappé au début. Hein. Donc le break. Il est loin, je vais vous en parler tout de suite parce qu'hier, et comme il est à 6 heures, forcément, vous me tournez certainement le dos. Donc, le break, il est au 18e mur, donc on va dire, il est quasiment, on a fait 90% de la danse. Donc, en fait, c'est un pont de musique, il y a 8 comptes. Donc, je ne sais plus, 8. Donc, on fait bump à droite, pause, bump à gauche, pause. Et bam, 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 bam. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on reprend. De toute façon, on reprend avec le redémarrage de la musique. C'est pareil. Comme il est très loin, on... Voilà, on a... c'est pas pareil que les tags ou les restarts qu'on a déjà en début de danse. On les accapare tout de suite. Là, il est loin. Alors, on fait la danse. Puis on verra bien quand on sera arrivé là. Mais voilà, bon, après, si... Mais il est face à 6 heures. Donc, c'est pour ça. Des fois, quand il serait face à 12 heures, bon, ben, voilà. Il est face à 6 heures. Donc, en fait, on fait la choré jusqu'au bout, hein. Je veux dire, on va vraiment jusqu'au bout. Puis après, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, il dit 1, 2, 3, 4, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, ou je ne sais plus combien. Donc, allez, on va répéter. Je vais réexpliquer, comme ça permet de souffler un petit peu. Ah, mince, je n'ai pas changé l'étiquette. Bon. Allez, talon droit, talon gauche, ramène. Alors, talon droit, talon gauche. À droite, touch, à gauche, touch. Et là, talon droit, talon gauche, et vine à droite, touch. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux sections. 1, 2, 3, 4. Donc là, on a fait à gauche, touch, et à droite, touch. Et là, on va faire vine à gauche, quart de tour. Vine à gauche, quart de tour. Brush, on s'en va mettre le pied droit devant. On touche gauche derrière, on repose gauche, on fait kick avant droit, on pose le pied droit derrière et on fait talon. Donc talon et on repose, donc heel strut et brush. J'ai encore du mal, hein, moi, avec le talon, là. Parce que souvent, on fait... Non, je ne peux pas voir parce qu'après, vous allez vous embrouiller. J'ai encore du mal. Bon, ça fait trois... Combien ? J'ai appris vendredi, samedi, dimanche, je ne sais pas encore... Moi aussi, il me faut 5 fois. Allez, donc pied droit. Donc la dernière section. Donc on a fait brush. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le mieux de tout, la petite astuce pour se rappeler que c'est un heel, donc c'est heel strut. Donc c'est on pose... Kick, derrière, et on bascule un peu. Alors,
on bascule un peu, comme ça le talon il vient, il se met tout seul en fait, et on repose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez vu? 7 et 8, brush pour, enfin scuff ou brush, un petit brush pour faire, qui va servir pour faire le talon, pour recommencer la danse. Bon, deuxième mur. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, et le vine à droite, à gauche, à droite, vine à gauche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. C'est vrai, hein? En fait, en se basculant un peu, ça va tout seul. Moi, je l'ai mieux qu'hier. Alors, elle va quand même, elle n'est pas évidente à se repérer, mais malgré tout, quand on reprend au début avec les talons, le talon droit-gauche et le à droite, touch à gauche, touch, on arrive bien à se recaler sur la musique, même si on a perdu un pas dans la dernière section, quoi. Donc, la dernière section, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, on plie un petit peu, en fait, on oblige le talon à venir, en réel reposer et broche. Petite astuce. Bye and bye. Donc on l'a déjà fait hier, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Donc, 4 x 4, 16, 18e mur. Donc n'oubliez pas, hein, 18e mur face à 6 heures. Donc ça sera un mur de 9 heures forcément. 9 heures, donc on arrivera là. Donc on fait jusqu'au bout, hein, là vraiment la dernière section. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on redémarre. De toute façon, on l'entend le redémarrage avec le chanteur. Bon, ça va aller? Chevalier. Donc ça, c'est des nouveautés. On fera encore deux. Je les réexpliquerai encore demain. Alors, bonjour du 50. Elle donne soif. Hein? Qui c'est qui a soif? Janine a la soif. Hein? Bon. Bon, elle boit quoi avant? Allez, on boit quoi avant? Allez. C'est Gastrande qui donne soif. Gastrande qui donne soif. Bon, allez. Bye and bye. Belle danse qui sera sûrement dans tous les bals la saison prochaine. I've been driving on down the highway, trying to find the right way in a world that's gone a little crazy. And I've been listening to the radio playing. I don't know what the hell they're saying, but it sure don't speak to me. Well, I don't know where I'll be tomorrow, but I know that time can change, but it won't change me and you. I took the good times, I think it's gonna be better. Change me.
tes talons. Aille à droite. Jusqu'au bout. Super perdu après le break. Bon, il est vraiment à la fin. La prochaine fois, ça ira mieux. En fait, il y a vraiment un vide. C'est ça qui est perturbant, en fait. Donc, on a fait vraiment la danse. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas compté, en fait. J'aurais dû compter. Bon, demain est là. On va encore... Là, on fera demain. Ça commence à venir, l'enchaînement. Le fait de faire le petit heel, donc une petite bascule pour faire le heel. Parce que sinon, c'est pas évident. Donc, bye and bye. Hein? Alors. Donc, Little Country Race. Donc, c'est une débutante. Je sais que mes débutants, ils se disent... n'ayez crainte, mes débutants. La semaine prochaine, on va les revoir. Toutes les danses qu'on fait, là. Danser on the way. Ah non, c'est Little Country Race. On the way, c'est après. Donc, bye and bye, bon, ça commence à venir, bye and bye. Hein? Donc, en fait, c'est très perturbant parce qu'en fait, il n'y a plus... Je me souvenais plus exactement. Il n'y a vraiment rien. Donc, on a fait fini la danse de bye and bye. Donc, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redémarre. Il y a vraiment... C'est vraiment une coupure. Il n'y a plus de musique. Alors, Little Country Race. Donc, c'est une révision pour... mes adhérents, mais c'est une nouveauté pour mes débutants. On ne l'a pas encore vu, donc mes débutants de septembre et mes débutants de janvier. Donc, je les rassure, n'ayez crainte, on va la retravailler. C'est pour ça que j'ai fait des sessions débutants pour avoir à faire un petit panel de danse à retravailler entre les danses intermédiaires que je referai la semaine prochaine, que je décomposerai. Comme ça, vous avez aussi... on va dire une progression dans l'apprentissage, hein, qui aurait dû être normale si on avait pu faire les cours à la salle, mais bon, c'est pas la peine. Donc au fait, j'ai partagé aujourd'hui que toute la salle de Wancourt, j'ai partagé qu'aucune animation jusqu'à la fin d'année 2020. Donc ça veut dire que, je sais pas, à mon avis, je pense que beaucoup... Ça va être difficile de faire les cours. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je sens mal. Je sens mal. Après, voilà, on ne sait pas tout. Il y a peut-être des choses que, au niveau du virus, tout ça. C'est vrai que c'est dangereux, hein, quand même. C'est vrai que c'est dangereux. Moi, j'ai peur aussi. Hein. Allez, Little Country Rise. Donc, c'est énergique. Bon, les pas ne sont pas trop difficiles, mais bon, c'est plus rapide. Mais rassurez-vous, vous, mes débutants, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, mais voilà, vous l'aurez au bout d'un certain temps. Alors, on va faire un vine à droite, une weave à droite. Donc, weave, je répète, une weave, c'est soit cross vine ou soit vine cross. Dans tous les cas, il y a un vine, il y a une cross, donc un croisement au début ou à la fin. Et là, cet ensemble-là, ça s'appelle une weave.
Alors, on va faire une weave à droite. Donc, vine à droite, cross. On va faire un, non, on va faire un stomp droit écart. Stomp droit écart. Et on va rentrer le talon. Donc, in, la pointe, le talon. On va refaire avec les comptes. Tout doucement. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va poser le pied gauche à gauche. Donc là, on est rapproché. Il faut le mettre un peu plus loin. Donc, pied gauche à gauche. On va faire un kick croisé avant droit. Kick croisé. On repose le pied droit. Kick croisé avant gauche. Et de là, on va utiliser le gauche pour aller faire un vine à gauche avec un quart de tour à gauche. On ne repose pas. On fait avec le kick croisé avant gauche. On va faire un vine à gauche, quart de tour. On refait jusque là. 7, 8. La weave à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Beat, c'est un scuff avant droit. Scuff, coup de talon. En fait, c'est pour donner l'élan parce qu'on va aller, mettre le pied droit devant. Pied droit devant. Je vais refaire donc les deux premières sections. Alors, une fois normale et une fois plus rapide, déjà pour vous habituer au rythme. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu plus rapide. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois tout doucement pour eux, quand vous regarderez la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, pied droit devant. Donc, on est en scuff. Hein? Pied droit devant, touche avec la pointe gauche derrière. On repose le pied gauche, on fait kick avant droit, on met le pied droit derrière. Et là, on ne fait pas un heel, on fait un hook. Hook, pause et brush. Alors, on va refaire cette section-là. Ça, c'est toujours un peu plus difficile pour les débutants. Hein. Scuff. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Depuis le début, il y a encore une section, c'est facile. Alors, une fois, pas trop rapide, et une fois j'accélère. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Plus rapide. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va faire, donc on doit faire un demi-tour à droite. Alors, le moyen dans la danse pour faire demi-tour à droite, ce sont, on va faire enchaîner deux jazz box. Alors, donc on a fait 8, on est en brush avant droit. Donc, le premier, donc, jazz box, quart de tour à droite, les pieds normaux, pas croisés. Donc, 1, 2, 3, 4, premier jazz box. Par contre, on va refaire un jazz box quart de tour à droite, mais cross. Donc, 5, 6, 7, 8. Et on a fait demi-tour, la danse est finie. Mais elle va bien faire avec le rythme de la musique, mais c'est un petit peu rapide, c'est vrai.
On va reprendre avec ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le premier jazz box, normal. Le deuxième, cross. Et là, on est bien placé pour démarrer la weave à droite. Donc, on va décroiser. Donc, on fait le mur 2-3 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mur de 6 heures. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premier jazz box, normal. Deuxième jazz box, cross. Alors, je vais montrer un petit truc aussi pour le poids du corps, pour les nouveaux, hein, qui n'ont pas encore l'habitude de cette danse. Alors, donc, quand vous faites la weave à droite, donc, weave à droite, alors, vous êtes là. Donc, tout de suite, je vais me mettre bien là. Donc, vous allez décroiser pour aller mettre le pied droit à droite. Donc, vous laissez bien le poids du corps sur la droite. Donc, parce que ici, comme ça, quand vous allez mettre le poids du corps sur la droite, vous allez rentrer hyper facile le talon. Donc, on commence par le talon. Hein. Talon, pointe, talon. Alors, ce qui fait, donc, on est là. Ce qui fait 5, 6, 7 et 8. Important, tout de suite, de basculer. Hein. Donc là, 5, 6, 7, 8. En fait, vous allez mettre votre pied à droite et vous allez ramener le pied gauche en faisant talon, pointe, talon, en rentrant. Hein. Donc c'est un petit truc, petite astuce. Mais c'est important quand même, les poids du corps. Parce que si les nouveaux, des fois, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire le pas, mais il faut aussi le dire. Donc poids du corps droit, 5, 6, non, 5, 6, 7 et 8. Voilà, en rentrant le talon en premier. Alors, on était arrivé au mur de 9 heures. Ah oui, on était là. Donc, on vient de faire le jazz box cross, le dernier. Hein. 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le premier jazz box faire le tour. Le deuxième jazz box cross. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, le premier jazz box. Le deuxième jazz box, cross. Donc, de toute façon, on la reverra, hein, n'ayez crainte. Alors, dans cette danse-là, il y a juste un petit tag, une rajoute de pas, de 4 temps. Donc, au bout du troisième 3 heures. Donc, on aura fait 12, 3, 6, 9. 12, 3, 6, 9. Et la troisième début de tour, le troisième tour de piste, on va dire, 12, 3. Donc, au bout du mur de 3 heures, donc on aura fait, on sera ici, jazz box, on aura forcément 3 heures, donc 6 heures. On va rajouter pied droit à droite, touch, pied gauche à gauche, touch. C'est tout. C'est le seul truc de cette danse-là. La petite rajoute de 4 comptes au bout du, donc 4 et 4, 8, 10e mur. Au bout du 10e mur, donc on sera face à 6 heures. Donc, à droite, touch, à gauche, touch. Il y a un tout petit pont là, à caser 4 comptes. Et puis aussi le final, un final. Le jazz box, le deuxième jazz box, ne pas faire le quart de tour, on fait en demi-tour. Je ne sais plus, je crois qu'on arrive là. 9. Donc on fait, je crois qu'on fait en demi-tour pour finir à 12 heures. Bon, ça c'est pareil, on verra, on finira la prochaine fois. Allez, donc on y va. Hein? Donc, Little Country Race. Donc, c'est un peu speed, mais bon, elle est sympa la musique. Coucou Joël.
Little Country Waste. Well, Billy at the bar served 30,000 beers, and Tammy waiting tables been living off tips. For the jazz box, the same jazz box, that way. And Ron's ready out in his cab to take somebody home tonight. And there's Bob the bouncer, always for the jazz box. Attention le tap, à droite et au pas. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, on a fait le premier jazz box, voilà. Donc, le deuxième jazz box, on le fait face à 12 heures, on ne fait pas le quart de tour. Pour finir face à 12 heures, c'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Hein. Dans la logique de la danse, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mais là, on fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le fait face à 12 heures, le deuxième. On ne fait pas le quart de tour. Vous avez vu, elle est sympa cette danse, hein. Puis les pas, ils sont bien. Donc vous avez compris pour la bascule du poids. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on met bien là 5 pour libérer 6, 7 et 8. Ce qui fait donc 5, 6, 7, 8. Ça va tout seul pour libérer la jambe gauche pour faire le talon, la pointe, le talon. Alors. Et musique. Alors, Little Country Waste. Donc, c'est pareil, c'est une danse qu'on reverra au fur et à mesure dans les jours qui arrivent. Hein, je les remettrai. Donc, ça fait quelques nouveautés comme ça pour. Des nouveautés en fait d'apprentissage pour mes débutants, hein, voilà, parce que là tout ce qu'on a fait à peu près tout ce qu'on a fait c'était des choses qu'ils avaient vues en cours, donc que j'ai révisé, mais là bon, je refais une petite salve de nouveautés pour avoir à travailler, voilà, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine
Comme ça, je pourrais faire des intermédiaires. Hein, j'ai quelques belles choses à faire avec vous. Donc là, on va faire On the Wave. Alors, On the Wave, c'est une danse que... Voilà. Je vais boire un petit coup. Alors, On the Wave, moi, je ne l'ai pas encore faite en cours. Donc, elle était, on va dire, elle était repérée, comme beaucoup de danses. J'ai un classeur comme ça de repérée. Et là, je voulais apporter, donc j'ai fait rock, et puis je voulais un peu, on va dire, un peu celtique, et pas trop difficile, hein, bien sûr, pour les débutants. Donc là, je les chouchoute, hein, mes débutants, hein, c'est normal, hein, que je pense à eux. Je vous chouchoute aussi avec Guest Ranch, quand même. Hein. Donc, on va faire On the Wave. Donc, c'est une chorégraphie d'Audrey Watson. Donc, Walking on the Wave, de Shane Wells. Donc, super, il chante super bien. 32 comptes, 2 murs, débutant, 2 restarts. Donc, elle n'est pas trop rapide. Bon, voilà, donc on va s'amuser un petit peu. Bon, je l'ai apprise un peu hier soir et puis ce matin. Donc, voilà. Allez. Donc, on va faire un marche-marche, donc marche droit, marche gauche et un kick, ball, step avant droit. Kick, ball et step. Rock, step avant droit, rock, step et chassé arrière droit. Donc je vais refaire de profil, c'est une combien ? 2 murs. Donc je vais faire de profil mais je me remets à 12 heures après. Hein. Donc marche, marche, kick, ball, step. Kick, ball, step. Comme dans Endless, il y en a. Kick, ball, step. Je ne sais plus. Bon, Endless, c'est celle qui me revient là à l'esprit. Rock, step, avant, droit. Et chasser, arrière, droit. Hein? Donc, marche, marche. Kick, ball, step. Step, ça veut dire qu'il y a un pas. Et rock, step, chasser, arrière. À 12 heures. C'est une deux murs. Hein? Donc là, il y a... Je revérifie, 2 murs, ouais. 7, 8, marche, marche, kick, ball, step, rock, step avant droit, chasse et arrière droit. On va reculer gauche et droit, donc on recule pied gauche, on recule pied droit et on va faire un coaster cross. Alors, coaster cross, n'ayez pas peur, c'est pas un pas plus difficile qu'un autre. Qu'est-ce que vous entendez? Cross, coaster cross, donc... Coaster cross. Au lieu de faire coaster step, bah le dernier on cross. Donc coaster cross. On refait jusque-là. 7, 8. Marche, marche, kick, ball, step. Rock step avant droit, chassé arrière droit, recul gauche. Droit et coaster cross. On va faire un rock step latéral à droite, un side rock, donc rock step, et on va partir en cross shuffle. Cross shuffle. On a fait 2 sections. 7, 8. Marche, marche, kick, ball, step. Rock step, chasse et arrière droit. Recul gauche, droit, et coaster cross, rock, step et cross shuffle. 7, 8, 1, 2, 3 et 1. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire un side rock, donc un rock step latéral à gauche, avec un quart de tour à gauche, avec un sailor step. Donc, rock, je mets là, hein. Donc, rock step, donc on remet le poids du corps sur la jambe droite, et on va faire un sailor car. Sailor car,
Alors, je vais finir la section. Pied droit devant. Quart de tour. Et tout de suite, cross shuffle. Cross shuffle. On refait depuis le début. 7, 8. Marche, marche, kick, ball, step. Rock, step, chasse et arrière droit, recul gauche, droit et coaster, cross. Rock, step, cross, shuffle. Rock, step à gauche avec un sailor car. Pied droit devant, quart de tour et cross, shuffle. On va recommencer ça sur le mode de 6 heures. Comme ça, vous aurez la dernière section face à 12 heures. 7, 8, marche, marche, kick, ball, step, rock, step avant droit, chasse et arrière droit, recul gauche, droit et coaster, cross.